Bisous. Alors, quel âge de son? Bon, allez, c'est parti. Ouais. Bon, bah, de temps en temps, je vais arrêter puis je vais regarder mes questions parce que... Non, mais il n'y a pas de problème. Je révise. J'ai du droit de réviser aussi. Ma foi, je révise rapidement, mais... Moi, je vais peut-être regarder mes questions, par contre. Je te le dis. Allez, Sophie, c'est parti. J'ai une minute où je... Mais après, c'est le fait. C'est parfait, c'est parfait. Un, deux, trois. Prêt? Oui, bah, toi, tu l'as, c'est toujours moi, au début. Attendez. Oui, toi, t'es prêt. C'est toujours moi qui suis pas prêt. Non. Mais moi, je te regarderai tout le temps, parce qu'en fait, sinon, ça fait des trucs bizarres. Ouais, des trucs bizarres, genre. Elle regarde pas. Alors, je regarde aussi. Oh, bah, on est bien. Du coup, je vais réviser quand même. J'arrive. Bonjour. Bonjour, Agnès. Oh, bah non. Bon, bah, on va la refaire. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'interviewer François Billard. François, bonjour. Bonjour, Sophie. Merci de m'interviewer, c'est génial. C'est direct. J'ai dit ma deuxième interview, j'avais interviewé donc Lilou Massé, elle m'avait dit « En fait, tu t'appelles comment ?» Ça pourrait être bien que je le sache. Ah bah Sophie, c'est bien. J'arrive, voilà, un petit coup de chat, hop. Et mettre donc les huiles dans son quotidien. Je vais la refaire. Non, attends. Loulou. Oui, tu ça y est, c'est bon. Tu étais une star, tu es passée à la télé, c'est bon. Isabelle est coach et formatrice en je vais la refaire. Isabelle est coach et formatrice en putain, j'en fais une intelligence émotionnelle. Tu me perturbes avec toi, Agnès. Sors de ce corps. De ma part, ça m'arrive aussi des fois. Alors, TG, tu es présidente, TGS, TGS France, avocat, c'est là où je le donne. Alors, en fait. Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de... D'accueillir. Je crois qu'on va la refaire. Ah, okay. Je la refais. J'étais perturbée. Je sais pas, en ce moment sur les interviews, j'arrive pas à être focus sur ce que j'ai à raconter, c'est terrible. Quels sont les... Et merde, voilà, ça y est, j'ai bugué. Mais j'ai pas ma question, c'est nul. Je vais la refaire. C'est reparti. Elle est droite. Non, sans doute pas. Oui, penche beaucoup. Merdouille. Donc on fait une petite pause. Ça m'énerve. Après on peut faire l'interview en poirier, comme ça il n'y a pas de soucis. Bon, les problèmes techniques, voilà. Bon, comment on les résout avec peu de moyens. On fait l'interview Voilà, si on est à l'envers, c'est normal, il y a des soucis. Ouais, parce que des fois, il me retourne la tête, donc... Ça va être mieux. Ouais, il faut que je me recule. Merde, mais je suis dans un creux. Je m'étais avancé pour exprès. Je t'écoute. C'est pas vrai. Je sais pas que ça se voit. Je te regarde pas. T'as voulu te mettre au soleil, hein. Ah bah, je suis au soleil, bah. Non, mais on a ce qu'on mérite. J'ai tiré le soleil, allez. Tu passes au palin. Attends, je vais faire ça vite fait. On fait les interviews comme on peut. Avec le matériel qu'on a. Non.
Alors, on va prendre le relais, je vais faire l'intervenant et celui qui pose les questions, comme ça, ça ira plus vite. Ah, ça va le faire, ça va le faire. Oh, question numéro 1, je crois que j'avais du montage. Bon, on va bien faire la question. Ça va ? Je vais me faire piquer mon job. Voilà, je vous l'ai dit. Je vais la refaire. C'était quoi la question déjà ? Je suis ailleurs là. Allô, la Terre, ici là ? Ah ouais, non, c'est horrible. Le truc où je pense que je suis lancée en fait. Mon fils, ton ironie sur mon talent journalistique. Alors. Attends, tu peux poser la question. Vas-y. Allez, allez, plus vite que moi. Attends, je me rapproche à chaque fois. Non, je ne plus. Merde. Trois conseils simples pour manger équilibré. Si t'as chaud, vas-y, dénude-toi, on est en été. Je crois bien. Ça fait un petit peu sextoy les des trucs comme ça entre les pattes, mais bon. Voilà. Ouais, il faut tout pour faire un monde. Je suis sûre. Pour toi, c'est quoi la... Attends, je précise. Merci Benoît. Merci. Oh, c'était parfait. Voilà.